Well, the way I understand it is whilst a company is growing or changing, that you have managers that help with the changes that are coming. So that's how I understand. Je dirais que c'est un moyen de disposer d'une expertise forte pour passer d'une situation difficile à une situation réglée ou un problème traité sur une période clairement déterminée, en tout cas avec une date de début, une date de fin, et un moyen de disposer d'une expertise qu'on n'aurait pas forcément les moyens d'engager sur une longue période. Une réponse ponctuelle à l'urgence, la crise, et au final, une prestation supérieure à celle qui est attendue par l'entreprise. Alors le management de transition, c'est arriver dans un nouvel endroit, une nouvelle entreprise, où vous ne connaissez rien, et extrêmement rapidement, vous vous mettez dans les chaussures d'un employé et vous faites tout pour accomplir votre mission. C'est une solution, autant pour les entreprises que pour les individus. Et surtout, c'est une solution qui valorise l'expérience. Donc, qui offre des opportunités supplémentaires à toute une partie de la population qui a une expertise à donner. Et c'est une solution que je préconise pour pas mal de personnes qu'on accompagne en coaching de carrière, en accompagnement, etc. Le management de transition, c'est d'abord savoir écouter, savoir faire vite, et surtout savoir faire bien. Et Procadre International fait le lien. Ouais, c'est ma vie, c'est ma passion. J'aide des sociétés dans des situations difficiles, dans des situations où on ne sait pas quoi faire. Et puis c'est là où je rentre pour arriver à stabiliser la société. Après, je pars pour laisser la place à des gens qui continuent. Le management de transition, c'est aussi une personne. C'est un manager de transition. Voilà, c'est une période. Et c'est quelqu'un qui peut retourner après dans un poste permanent. Voilà. Le manager de transition, c'est apporter des solutions nouvelles, hors cadre, avec une forte valeur ajoutée.